qui est peut-être en charge de la cellule de communication, donc c'est un ami en ce moment. Donc, j'ai répondu à l'appel parce que nous avons une unité d'étudiants. Je travaille actuellement, je suis cadre de l'organisme de pouvoir, je suis des engagements, donc, mais le président m'a sollicité pour apporter mon aide. Je n'ai pas refusé. Donc, je pense qu'on va organiser une rencontre avec la presse pour que les choses aillent mieux, parce que dans la presse, c'est un parcours privilégié. Moi, je connais suffisamment la presse et l'accès à l'information. Dorénavant, j'espère que ça va marcher, dans un cadre organisé, bien sûr. Nous allons donner le maximum d'informations à la presse. Ça va se faire dans la transparence. Il n'y a pas de presse privilégiée par rapport à une autre. Tous les organes seront traités de la même manière. Nous allons nous réunir lundi matin. Nous allons vous proposer un règlement qui va régir les relations dorénavant, désormais dorénavant, entre la presse et le club. Donc il va y avoir des points de presse, il va y avoir des journées avec les joueurs, il va y avoir... Vous allez avoir en plus de la page Facebook, et le site va être prêt normalement passé sa mort, donc il va y avoir un site du club, vous allez avoir plein d'informations à donner, on va activer la presse, on comprend un petit peu, moi je sais que le problème majeur jusqu'à maintenant, au niveau national, en Algérie, essentiellement, c'est l'accès à l'information. Donc les gens, quand ils n'ont pas accès à l'information, on voudrait qu'il y ait des informations sourcées, des informations fondées sur les journaux. Un terrain de spéculation, un terrain. Nous serons ouverts avec vous. Moi, j'ai travaillé, je travaille encore, donc je suis dans mon domaine. Je connais un petit peu, j'ai pas besoin des journalistes. On va essayer de... Il y a un petit souci aussi pour le prochain match. Après, ils nous ont demandé des accréditations. Je ne sais pas si les journalistes sont plus nécessaires pour ces points. C'est un petit peu de combattre tout ce qui reste à venir entre nous. Ça va se discuter lundi. Nous, ça va se faire en concertation. On va se concerter avec vous, mais oui, maintenant. Nous, on va vous proposer un petit journée de points de presse avec l'entraîneur, le staff technique. Le président, quand les circonstances exigent, on va annoncer la. On va essayer de programmer des points de presse pour qu'il y ait suffisamment d'informations. Je pense qu'on va s'entraider, la presse a trouvé les élèves, y compris dans les moments difficiles. J'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Il y a une volonté, une nouvelle dynamique qui s'est dégagée. Donc, nous, on va l'encourager, on va l'accompagner. C'est pour ça que j'ai été de collaborer. تنتقل إلى سبيل القاسم محمد سعيد سكريزي وزو